Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super, si ce n'est le bruit que vous pouvez entendre là le long de la route principale. Et ouais, mon hôtel, je l'ai payé pas cher, hein, 11,50€ la nuit. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble la chambre et ce qu'on peut avoir pour ce prix-là ici en Thaïlande. Franchement, la chambre est tout à fait correcte, il y a juste la salle de bain qui mériterait un petit rafraîchissement. Mais honnêtement, pour ce prix-là, c'est difficile de demander mieux. Malheureusement, je me trouve en bord de highway. Et j'ai une station service juste derrière. Inutile de vous dire que c'est assez bruyant. J'ai quitté hier Sam Roy Yacht, la nouvelle patrie de mon pote Olivier, pour me rendre où je me trouve actuellement, c'est-à-dire Ratchaburi. Je n'ai pris que 2 nuits d'hôtel ici. Je vais faire une seule journée de visite. Et oui, il me reste énormément de choses à voir en Thaïlande. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup moins de temps. Donc, j'essaye de faire le plus vite possible. Donc, aujourd'hui, journée de visite à Ratchaburi. Et demain, je repars pour aller voir quelque chose que je souhaitais voir lors de mon dernier road trip ici en Thaïlande. Et qui, malheureusement, ne s'est pas fait dû, on va dire, à des petits soucis de santé. Cette fois-ci, j'espère que je vais pouvoir y aller en pleine forme. Normalement, ça devrait le faire. Je finis mon café lyophilisé. J'attends que la carte mémoire de mon action cam se vide sur mon ordi. Oui, j'avais oublié de faire le transfert des fichiers, ce qui fait que j'allais partir avec une carte mémoire pleine et évidemment que je ne pouvais pas effacer. Oh là 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 là, c'est pas bien Elvis, achète-toi une tête hein. Donc j'attends que tout ça se termine et puis ensuite on va aller voir un vrai café traditionnel, autre chose que ce breuvage qui ne ressemble en rien à du café. Ça y est, j'ai enfin transféré tous les fichiers sur l'ordi. Près de 300 gigas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Cocotte est toujours là, elle a pas bougé, c'est bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par aller prendre un café dans un café qui a l'air excellent ici et qui se situe juste à côté du premier endroit que j'aimerais visiter. Comme quoi, des fois, les choses sont bien faites. Alors attendez, je vais quand même pas trop m'avancer parce que ça se trouve, le café est fermé. Hein. Vous savez, on est en Thaïlande et parfois, on a des surprises. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors on y va. Il y a des barbecues partout, des brochettes en train de griller, c'est horrible, ça sent tellement bon. Mmh. Ah. Me voici arrivé au Arti Kopi. J'ai commandé un café traditionnel thaï. Alors, quel est le nom? Sur la carte, c'était Kopi Baran. Boran. Kopi Boran, il me semble. Et puis, j'ai pris un club sandwich. Oui, alors, ça, c'est pas très traditionnel, mais voilà, je l'ai vu sur la carte. Ça me faisait envie. J'aime beaucoup la déco de ce café. Ça me rappelle un café que j'avais visité. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom de la ville. Désolé. On est vraiment dans une ambiance assez old school. Et ça me plaît beaucoup. C'est très intéressant hein, ce café traditionnel thaï. Il est très fort et en même temps très sucré. C'est un café, mais en même temps, ça pourrait un peu faire penser à un chocolat chaud, mais à un chocolat chaud très 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 fort en cacao. Ils avaient même du café traditionnel vietnamien à la carte. J'ai hésité, hein, mais je me suis dit, bon, j'en ai bu assez quand j'étais au Vietnam. Je suis en Thaïlande, donc je prends un café traditionnel thaïlandais. Bah oui. Ce café est aussi très réputé pour ses dim sum. Malheureusement, il est trop tard, il n'y en a plus. Peut-être que demain matin, je viendrai faire un tour ici, je sais pas. Hein. Pas sûr, mais bon, on verra bien. Est-ce que ça vous dirait de vous cultiver un peu ce matin et d'aller visiter un musée? Moi, en tout cas, j'en ai très envie, donc c'est ce que je vais faire. J'espère que ça vous plaira également. On va essayer peut-être d'en apprendre un peu plus sur la ville et ses alentours. Et puis, dans tous les cas de figure, même si on n'apprend pas grand-chose, il y aura toujours de très belles choses à voir dans ce musée, comme c'est souvent le cas ici en Thaïlande.
Voilà, ça c'est fait. J'ai eu ma dose de caféine, j'ai mangé un bout, on va enfin pouvoir aller visiter le musée. 120 bahts pour un café chaud, un club sandwich, un petit beignet, et puis le thé, mais bon, le thé, ça c'est offert. Ça va ? Ouais, ça va. Alors vous voyez, j'ai tellement confiance en moi pour me rendre au musée que j'ai même pas mis le GPS. Hein. Bon, en même temps, c'est la prochaine à droite. C'est quoi cette route là, bon sang? Alors c'est où? Bon, vous voyez, hein, je fais le malin, mais au final, j'arrive pas à trouver l'entrée. Ça a l'air d'être par ici, hein. Voilà, regardez cet arbre un peu. Magnifique. Bon, c'est par où là? Oh, ça m'étonnerait fortement que ce soit par ici, hein. Bon. Ah mais c'est pas possible, il est où ce musée, bon sang? Sur la carte, j'étais juste à côté. Truc de malade. Je suis revenu exactement à mon point de départ. C'est pas possible. Merde, c'est fermé? Oh non! Oh là là, punaise, c'est pas possible. Comme par hasard, hein, le seul jour où je m'arrête dans la ville, le musée est fermé. Évidemment, hein, il était censé être ouvert aujourd'hui. Hein. Je vous mens pas hein, quand je vous dis qu'en Thaïlande, hein, ça se passe pas toujours comme prévu. Hein. Ça, c'est clair. Oh, c'est sympa, ça. Oh, faut que je m'arrête quand même pour vous montrer ce qu'il y a là devant moi. Me voici arrivé au Wat Maathat Wora Wihan. Attention à ne pas confondre avec le temple qui porte le même nom à Phetchaburi, mais également avec d'autres temples qui portent le même nom un peu partout en Thaïlande. C'est un nom assez répandu ici dans les temples importants. Wat Maathat Wora Wihan signifiant temple de la grande relique. Hello. Hello. Quand j'ai vu arriver le groupe d'écoliers là, j'en ai entendu dire ah Farang. Et donc je leur ai dit oui Farang. Et alors après bah vous voyez, ils disent tous bonjour. Ah ils sont adorables. J'aimerais bien aller voir le mur d'enceinte avant d'aller voir la partie la plus importante du temple là, juste derrière moi. D'après ce que j'ai pu comprendre, ce mur d'enceinte date d'il y a très très longtemps. Alors il a été rénové de nombreuses fois, mais il y a encore des parties qui dateraient de l'époque Khmer, donc fin du 12e, début du 13e siècle. Tous ces bas-reliefs que vous voyez derrière moi ont 800 ans. Mais le temple serait encore plus vieux, hein. Apparemment il aurait plus de 1000 ans. Et il a été reconstruit de nombreuses fois. Une première fois par les Khmers, donc, qui avaient le contrôle de la région au 12e et 13e siècle. Et ensuite, lors de la période d'Ayutthaya, le temple a été reconstruit, rénové. C'est pas très clair dans ma tête. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les fouilles archéologiques ici ont clairement montré que ce site était un site sacré depuis plus de 1000 ans. Hello. Ah les enfants ils sont vraiment toujours géniaux, hein. Vous avez vu avec eux, il n'y a pas de filtre, ils viennent vous voir. J'adore ça.
Je vais faire le tour de la cour dans laquelle se trouvent les quatre prangs. Hein, il me semble que c'est ça, hein, les grandes tours qu'on peut voir juste face à moi. Il y en a trois petites et une, celle qui est au centre, qui est la plus grande et qui fait 34 mètres de haut. Hello. Je crois que je suis devenu l'attraction principale ici. Hein. Hello. Hello. En fait, je crois qu'ils en ont rien à foutre du temple. Hein. Ils sont contents de voir un étranger. Bye bye. Il y a la prof qui vient de les appeler là. À mon avis, je pense qu'elle en a marre qu'ils fassent des allers-retours. Bon, je dois avouer que c'est pas évident de vous filmer le temple hein, avec tous ces enfants qui viennent me voir en permanence. Alors ils viennent, ils repartent, vous savez, c'est comme des vagues. Ils viennent en courant, ils repartent en courant. Je ne vous ai pas filmé ce que j'ai pu voir à l'intérieur du prang principal, la tour principale. Il y a un escalier qui permet d'y accéder. Et à l'intérieur, on a deux statues de Bouddha, pas très grandes. Un Bouddha assis et un Bouddha debout, des statues en pierre noire. Je n'ai pas plus de détails sur ces statues. Je suppose que si elles sont à l'intérieur du lieu le plus sacré du temple, et en plus il y a une grille devant pour empêcher qu'on puisse les toucher, bien c'est que ces statues doivent être importantes. Hein. Eh bien, c'est un très joli temple plein d'histoires. Il y a quelques panneaux hein, qui vous indiquent les choses que vous pouvez voir ici. Bon, ça manque peut-être un petit peu d'explication, surtout pour un temple qui est millénaire. Bon, c'est pas grave, on s'imprègne de l'ambiance du lieu. On observe ces magnifiques tours là. Et puis, ça suffit. Hein. C'était une chouette visite. Direction la prochaine étape. Je viens de voir le 7-Eleven. Ah non, arrêt obligatoire, j'ai trop soif là. La Théienne Big. Yeah. Holy cap. Coton cap. Ouais, on va se poser deux secondes ici. Voilà, impeccable. À l'ombre avec un latte du 7-Eleven. On n'est pas loin du paradis sur Terre. Ouais, je suis deck quand même pour le musée ce matin. Ouais, j'aurais bien aimé le visiter celui-là. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Je viens d'arriver à Kaungu, prononciation probablement très mauvaise, un ensemble de formations rocheuses type montagne qui se situe juste à l'extérieur de Ratchaburi. Ça a l'air sympa, il y a des montagnes, il y a de l'eau. Et puis tout à l'heure en venant, j'ai vu un grand Bouddha qui était sculpté juste devant une montagne que j'irai voir après. Pour être tout à fait précis, l'endroit où je me trouve, c'est The Secret Corner of Kaungu. Il n'y a pas grand-chose à faire ici, si ce n'est apprécier la vue. Vous allez voir, c'est quand même très sympa. Et je regrette juste un truc. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite boutique qui fasse de la location de kayak. Parce que si ça avait été le cas, je peux vous assurer que j'aurais sauté sur l'occasion de louer un kayak et d'aller me balader là entre les montagnes. Oh. Je vais reprendre Cocotte et me rendre à l'entrée du parc. Comme je vous l'ai dit ici, il y a juste un très joli point de vue là sur, je sais pas ce que c'est, une rivière, un lac, je ne sais pas. Mais il y a également un parc juste derrière. On va aller voir ce qu'il a de beau à nous proposer. Ça a l'air assez grand quand même. Hein. Monkey, monkey!
Aya au cap. Monkey, everywhere. Ils montent carrément sur les voitures. Ah, vous avez vu, hein, y a plein de vendeurs et de vendeuses de nourriture ici. De nourriture pour les singes, évidemment. Eh les gars, ah, vous prenez toute la place. Hein. Ça va, tranquille? Je vous dérange pas? Bah regardez comme c'est sympa, les gens qui viennent faire du pédalo. Ah, il y a une petite promenade là-bas, le petit pont. Ah, c'est chouette ici, hein. Je sais pas si vous verrez, mais il y a une passerelle là, qui relie... les deux gros rochers. Il y en a également une ici. Je suppose que ce sont des passerelles qui ont été mises en place pour les singes. C'est marrant qu'ils aient mis en place des passerelles pour les singes. J'ai envie de dire, ils n'en ont pas besoin. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres là-bas aussi. On va aller voir ça tout à l'heure. Ici aussi, vous avez deux câbles métalliques qui passent d'un côté à l'autre. Alors, que pensez-vous de ce petit parc? Personnellement, je trouve ça très très bien. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de marche à pied. En fait, vous marchez quelques centaines de mètres sur un ponton et puis vous arrivez là où je me trouve actuellement. Si vous venez à Ratchaburi et que vous voulez vous éloigner un petit peu du centre-ville et de son tumulte, vous pouvez venir ici, franchement, vous serez au calme. Si ça vous branche, vous pourrez même faire du pédalo, donner à manger aux singes. Ouais, franchement, c'est un chouette coin. Il est l'heure d'aller manger. J'ai repéré un petit restaurant qui se trouve pas très loin de là où je me trouve, qui ferme à 4 heures. Alors, je vais pas trop traîner parce qu'il est 3 heures. Et j'aimerais tester une de leurs spécialités. Apparemment, c'est une soupe de nouilles qui est excellente. Ah bah dis donc, ça traîne pas. J'ai à peine de commander, je suis déjà servi. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Apparemment, c'est la spécialité de l'endroit. C'est du porc bouilli. Ouais, le bouillon est assez acide. C'est bon, hein. Mais je m'attendais à un truc un peu plus waouh. Ça, c'est du galangal. C'est utilisé notamment pour faire la pâte de curry. J'ai vu des morceaux de citronnelle également. Ouais, il y a de la citronnelle dedans. Des petites herbes. Alors, je sais pas ce que c'est comme herbe. Tout à l'heure, j'ai mâché une feuille de kaffir. Bon, ça se mange pas normalement, les feuilles de kaffir, quand elles sont entières. Et puis ces herbes-là, je sais pas trop ce que c'est. Le bouillon est très bon quand même. Hein.
Bah du piment, évidemment. Mais ça va, hein, ça pique pas trop. Ne vous méprenez pas, hein. C'est vraiment bon. Mais disons que en lisant les critiques sur Google Maps, je m'attendais à quelque chose de plus... Waouh. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, ouais. Je l'ai pris au porc, mais ça existe également au bœuf. J'ai demandé au patron lequel des deux il préférait. Il m'a dit que lui, il préférait le porc. Donc du coup, j'ai pris la même chose. C'est très étrange parce que plus je le mange, et plus j'apprécie le plat. À la base, je pensais que c'était une soupe de nouilles, mais en fait, non. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, je change d'avis, hein. En fait, je me suis régalé. Le bouillon est terrible. Dans le bon sens du terme. La viande était extrêmement tendre. Le restaurant s'appelle Ja Timban Singha. Et comme je vous l'ai dit juste avant, finalement, avec le recul, je trouve que ce que j'ai mangé, c'était vraiment très très bon. C'est juste que j'ai été surpris au début, quand ils me l'ont amené. Et quand j'y ai goûté, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais au final, c'était vraiment délicieux. Petite journée de visite aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous montrer plus de choses ici. C'était prévu, notamment le musée, mais bon, pas de chance, il était fermé. Évidemment, il y a d'autres choses à visiter dans les environs. Finalement, c'est pas plus mal que j'ai fait une petite journée de visite, car demain, j'ai pas mal de trajets qui m'attendent. Ah, j'ai oublié de vous dire pour combien j'en avais eu pour le repas. 80 bahts. Comme je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un méga combo. Ma journée d'aujourd'hui, donc, et la journée de demain qui vous permettra de voir un petit peu où je me rends. Attention, 1, 0, oh ! Voilà les amis, journée finie pour moi, mais n'oubliez pas, on se retrouve dans quelques secondes pour le trajet entre Ratchaburi et... Ah, ben je ne vais pas vous dire le nom de la prochaine ville, vous verrez bien dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on va faire la route ensemble jusqu'à ma prochaine destination. Une fois n'est pas coutume, j'ai l'intention de m'arrêter en cours de route pour visiter au moins un temple, peut-être deux, je ne sais pas encore, on verra bien. Ma prochaine étape est une ville que j'ai déjà visitée lors de mon premier road trip et je peux d'ores et déjà vous dire où je vais m'arrêter, c'est Kanchanaburi. Je vais y passer 3 journées complètes, mais pas pour visiter la ville. 2 journées seront consacrées au rattrapage de mon retard dans le montage. J'ai filmé énormément de choses. Et une fois de plus, il va falloir que je me dégage du temps pour pouvoir faire le montage, car comme vous le savez, je fais les montages au fur et à mesure que je progresse. Du coup, il faut vraiment que je respecte une discipline de fer, sinon je me laisse très rapidement submerger par toutes ces heures de vidéos que je filme tous les jours. 2 jours donc pour rattraper mon retard, et le 3e pour aller visiter un endroit. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien dans la prochaine vidéo. Un endroit que je voulais visiter lors de mon premier road trip, et malheureusement, je suis tombé malade à ce moment-là, donc... Je ne l'ai pas vu. Je suis en train de faire le rendu de la dernière vidéo que j'ai montée. Dès que ça sera fini, eh bien, on enfourche cocotte et on est reparti. Première étape, aller vérifier la pression des pneus. Et ça tombe bien, car la station-service est juste à côté. Et voilà, ça c'est fait. Bon, bah les pneus ont l'air d'être ok, hein. J'ai dû remettre un petit peu, mais très peu. Bon, bah on est bon, hein, je pense. Big hater, you nothing but
adios, dímelo, mami, freca, you nasty, flame up, light it, they see me and get excited, two step, spin around, slow fly, pilot, they say, been hot, way before coronavirus, nigga who did that, nigga who did what, nigga that's my shit, I'm right. Nigga, are you dumb, stupid or dumb, Me voici arrivé au Wat Po Ratanaram, le temple pour lequel j'ai décidé de faire un petit détour aujourd'hui. Oui, vous savez, en général, quand je vais d'une ville à l'autre, je ne m'arrête pas, enfin, si ce n'est pour mettre de l'essence, pisser un coup ou boire un coup. Mais là, j'ai quand même décidé de faire un léger détour pour aller voir ce temple, ma foi, pas unique, parce qu'il y en a d'autres en Thaïlande, mais ils sont quand même assez peu nombreux, il me semble. Si mes souvenirs sont exacts, le seul que j'ai vu dans le style, c'était à Chiang Mai. Bon, je vous montre un petit peu. Je vais pas faire le tour du site, hein. Je suis vraiment là pour un truc en particulier qui est juste devant moi. Voilà les amis pourquoi je voulais faire un petit détour par ici pour voir ce temple fait en inox. Et oui, en inox, vous imaginez le nombre de couverts qu'on aurait pu fabriquer avec toutes les feuilles d'inox qui ont été utilisées pour recouvrir ce temple. Contrairement à celui que j'ai vu à Chiang Mai, où l'intérieur était également en inox, d'ailleurs je suis même pas sûr si ça soit de l'inox, c'était peut-être de l'argent. Non, je crois qu'il est en argent à Chiang Mai. Hein. Celui-ci est en inox à l'extérieur, à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, la seule partie qui est également en inox, c'est le plafond, sinon tout le reste est en bois et puis on a du carrelage au sol. J'ai rencontré deux jeunes femmes qui venaient de Bangkok pour visiter la région, là, juste devant le temple. On a discuté un peu ensemble, elles m'ont demandé ce que je faisais ici, je leur ai un peu expliqué. Elles étaient très étonnées de me trouver ici en train de visiter le temple. Elles s'attendaient à apparemment pas à voir un Falang venir dans ce genre d'endroit. C'est l'heure de reprendre la route. Et il y a quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. Bon, je vous dis pas ce que c'est. Vous me connaissez maintenant, vous devriez trouver par vous-même. Hein, qu'est-ce qui me ferait plaisir là, à votre avis? Allez, une petite heure de route avant d'arriver. Bon, ce que je cherche, c'est un café. Oh, petit marché. Oh, ça sent bon. Oh là 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 là, ils ont pas le droit de faire ça. Café, non. Non, non, non. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un petit café sympathique au Vietnam qu'en Thaïlande. Je dis pas qu'il n'y a pas de petits cafés sympas en Thaïlande, hein. Évidemment, il y en a. Mais il y en a beaucoup plus au Vietnam. Au Vietnam, en général, on n'a pas besoin de chercher longtemps avant de tomber sur un café. En Thaïlande, ça dépend où vous vous trouvez. Hein. Si vous êtes en pleine ville, pas de soucis. Mais si vous êtes dans des coins un peu paumés comme là où je me trouve en ce moment, eh ben, vous pourrez y chercher longtemps. On se croirait à Rungis, là, avec tous ces camions garés sur le côté. J'ai bien l'impression que je suis pas prêt de boire de café, hein. Oh là là, c'est pas possible. Allez, un café, mince. Are you dumb? Are you dumb? Stupid or dumb?
À défaut d'aller prendre un café chez un petit commerçant, on va aller dans la chaîne Café Amazon, qui se trouve dans toutes les stations Pititi avec le 7-Eleven. C'est pour ça que j'aime autant les Pititi Station. On fait le plein, on gonfle les pneus, on achète des trucs à bouffer, on fait un pissou, on fume une clope, on boit un café. C'est parfait, non? Il y a même un KFC. C'est l'heure de donner à manger à Cocotte. Elle a faim. Vous avez vu tous les camions là? Ils transportent de la canne à sucre. Oh là là, il y en a une quantité hallucinante, elle. Ça y est, me voici arrivé à Kanchanaburi, je dois être environ 10 minutes de mon hôtel. Et sur la route, j'ai eu une envie fulgurante, fracassante. Une envie de manger au domac. C'est pour ça que je me suis arrêté ici. Menu double Big Mac, grande frite, grande coca. Voilà, j'ai pas besoin de grand chose de plus. Avec ça, je suis un homme heureux. Bon appétit à moi. Bon appétit à vous également si vous êtes en train de manger en regardant ma vidéo. Le menu double Big Mac avec grande frite et grand coca. Enfin là, on n'est même plus dans du grand coca, vous avez vu. Combien ça fait ça? C'est énorme. 6,70€. La route entre Ratchaburi et Kanchanaburi est relativement courte. Hein. Et c'est pas une des routes les plus intéressantes que j'ai empruntées, hein, croyez-moi. Ce qui m'a fait très plaisir lorsque je suis arrivé près de Kanchanaburi, c'est de voir les montagnes au loin. Vous savez, j'adore ça, les montagnes. Et d'ailleurs, normalement, c'est dans cette direction que je vais me rendre une fois que je quitterai la ville. Ça va être sympa. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis.